Coucou à tous, aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo ménage et rangement surtout parce que c'était le gros bazar au niveau de mon dressing et vu que l'on est au printemps et que je fais des petites sessions de ménage de printemps, bah du coup je vous embarque avec vous. Donc pour commencer je vais vider la chambre entièrement parce que j'avais pour projet de changer le lit. Donc oui, normalement ce mur qui est gris est censé être la tête de lit, c'est là où on a les prises électriques, enfin c'est le mieux de mettre la chambre comme ça, sauf qu'il faut que je mette un dressing parce que c'est la seule chambre où il n'y a pas de placard intégré et il faut aussi que je mette une télé parce que voilà, on aime bien avoir une télé dans notre chambre. Et donc du coup le meilleur agencement c'était de mettre le lit sur ce mur blanc là, même si c'était pas comme ça qu'il fallait qu'il soit à la base, mais bon bref, du coup j'ai décidé de faire comme ça. Et donc je vais vider la chambre entièrement, donc j'enlève la couette, j'enlève le matelas, le sommier, ce qu'il y a sous mon lit aussi parce que c'est un très gros bazar. Donc c'est vrai que voilà, le fait d'avoir un lit c'est bien pour pouvoir stocker des choses en dessous, mais il faut le faire intelligemment. Donc voilà, comme je vous disais, c'était un peu le bazar là-dessous. Il y avait des habits à moi que j'ai pas pu ranger dans mon dressing parce qu'il est beaucoup trop petit. J'ai un carton avec des jeux de Wii dedans et même je crois qu'il y a la Wii dedans, enfin je sais même pas, je crois. Et donc j'aurais préféré dans cette vidéo vous montrer comment mettre des belles boîtes ou alors des beaux sacs de rangement en dessous de son lit. Mais malheureusement tous les magasins sont fermés du style Jiffy, Action, et c'est là que l'on trouve les meilleurs bons plans parce que sinon en supermarché c'est super cher. Donc du coup bah, je vous réserve ça pour une prochaine fois. Mais en attendant vous allez voir bah, tout le petit bazar que j'avais mis sous mon lit, donc je vais tout enlever. Sous le lit aussi on avait une télé, donc c'était la télé du salon qu'on avait dans notre ancienne maison. Le problème c'est que j'ai perdu le pied pendant le déménagement, je sais pas du tout où il est, j'ai cherché de partout, je ne le retrouve pas. Donc du coup bah, j'ai fait durer et là j'ai enfin acheté des pieds exprès pour la télé, donc ça je vous montrerai par la suite. En plus il faut que je les bombe en blanc, donc je vous montrerai. Et donc c'est une très grosse télé, une télé de salon quoi, donc je vais la repasser au salon et la télé que l'on avait dans le salon, la petite blanche qui est à la base la télé de notre chambre, donc elle va revenir dans la chambre. Et donc je vais enlever tout ce qui traîne en dessous du lit qui ne peut pas être aspiré évidemment parce qu'il y a tout qui se file en dessous, et je vais passer l'aspirateur, donc vraiment de partout parce qu'il y a de la poussière évidemment. Ça c'est bien de vider en dessous de votre lit, ou du moins s'il n'y a rien, de passer l'aspirateur en dessous au moins tous les 2-3 mois, ça fait du bien parce qu'il ne faut pas oublier que c'est là où l'on dort, donc il faut enlever le maximum de poussière parce que quand on dort en plus on est bas, on est proche du sol. Donc on a toute la poussière qui rentre dans le nez, dans la bouche et tout, c'est vraiment mauvais et puis ça peut causer des allergies aussi. Donc voilà, c'est super important de le faire régulièrement. Et une fois mon sol aspiré, je vais faire comme dans ma dernière vidéo ménage de printemps, je vais nettoyer les plinthes avec du produit Ajax Maison Pure, il sent vraiment trop bon. Et comme vous pouvez le voir, c'était quand même assez sale parce que voilà, à cause des lampes surtout, ça attire la poussière et ça en met plein les plinthes. Donc voilà, on nettoie bien le dessus et surtout le contour des plinthes. Une fois
fois les plaintes finies, je vais rincer mon chiffon et je vais nettoyer mon lit. Donc mon lit, on me demande souvent d'où il vient. Il vient de Cdiscount. Le sommier, ça fait un bon moment que je l'ai. Et comme vous voyez, il nous manque 3 lattes. Donc les 2 du fond et une au milieu. Après, c'est pas gênant parce que c'est du côté où moi je dors. Donc ça me dérange pas. Mais voilà, c'était pas un sommier très qualitatif. Je compte changer de lit d'ailleurs parce que c'est un tout petit lit qu'on a. C'est un 140. Et vu qu'on est super grand, dedans on est tout étriqué. Donc j'aimerais bien passer à un 160, voire un 180. Mais si je passe à 180, dans tous les cas, je pourrais pas remettre le lit comme ça. Faudrait que je le mette côté mur gris, on va dire. Donc bref, ce lit vient de chez Cdiscount. Je vais essayer de le retrouver et de vous le mettre en barre d'infos. Mais si jamais je ne le trouve pas, il vous suffira juste de chercher lit blanc capitonné et vous allez en trouver pas mal. Et je repasse un petit coup d'aspirateur, forcément en faisant les poussières, il y en a toujours qui retombent sur le sol. Donc voilà, ne faites pas l'aspirateur une fois, faites-le plusieurs fois pour éviter que les poussières s'accumulent. Et après l'aspirateur, je passe forcément le balai vapeur. J'avais une grosse tache de collant, je sais pas d'où ça sort, ça doit être Magic, elle a dû faire tomber un gâteau, je ne sais quoi. Du coup, j'ai dû passer plusieurs fois dessus parce que voilà, comme je vous ai dit, le balai vapeur c'est super bien. Le mien c'est vraiment le plus bas prix qu'il y ait, donc il marche bien. Mais bon, voilà, il y a mieux, donc c'est pour ça que souvent je vous redis pas la référence parce que vraiment vous pouvez trouver mieux. Donc voilà, je passe le balai vapeur de partout, ça va nettoyer tout en profondeur et en même temps ça sèche super vite. C'est ça le réel avantage du balai vapeur, c'est que ça nettoie super bien et surtout le temps de séchage, vraiment 5 minutes top chrono. Et du coup là je vais changer mon lit de place, donc je vais le mettre sur le mur blanc comme je vous ai dit, je vais reposer le sommier dessus. Et du coup, je vais m'attaquer aux tables de chevet. Donc, j'enlève tous les fils, je vais enlever tout ce qu'il y a dessus et je vais les nettoyer avec mon produit antistatique. Donc, ça, ce produit, on me demande tout le temps d'où il vient, où est-ce que je l'ai eu, comment j'ai fait pour l'acheter. En fait, c'est simple, il est juste dans le rayon nettoyage. Donc, c'est plutôt au niveau de tout ce qui va être nettoyage du bois parce que la plupart du temps, c'est souvent des bombes antistatiques pour le bois. Mais voilà, c'est assez facile à trouver. Moi, l'ancien, je l'avais trouvé chez Géant Casino. Celui-là vient chez Leclerc. En fait, dans toutes les grandes surfaces, je pense même qu'à Lidl vous pouvez le trouver. Et donc je vais nettoyer aussi la lampe et surtout les fleurs artificielles. Celles-ci viennent de chez Maison du Monde. Il est super important de les nettoyer. Vous pouvez tout à fait le faire avec l'eau. Là je les fais vraiment au chiffon vite fait, mais c'est mieux de les nettoyer à l'eau parce qu'il ne faut pas oublier que les fleurs artificielles attrapent beaucoup beaucoup la poussière et souvent on l'oublie et on ne les nettoie pas. Ensuite je vais réorganiser le petit panier de mon bébé, donc voilà je mets beaucoup moins de choses qu'avant dedans, mais voilà ça va être le nécessaire, le parfum, les crèmes, des couches si jamais pendant la nuit il y a besoin de le changer. Et ensuite je passe à la deuxième table de nuit. Donc souvent on me demande d'où elles viennent de chez Ikea, le problème c'est qu'ils ne les font plus. Et à la base elles sont de couleur bambou, je les ai juste repeintes en blanc. Donc si jamais vous pouvez les trouver peut-être en occasion, mais en tout cas sur le site d'Ikea malheureusement ils ne les font plus.
Et pareil, je repasse un coup d'aspirateur parce que forcément, en faisant les poussières, ça en a remis. Donc voilà, en sachant que aussi j'ai bougé le lit, donc voilà, les poussières qu'il y avait un peu sur les côtés sont allées au milieu, donc je nettoie tout. Et là, je vais passer à la partie la plus compliquée que je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de faire. C'est cette partie en bazar côté dressing. Il y a une bassine avec des habits dedans, il y a des habits de bébé. Enfin, vraiment le bazar total, même moi je ne sais pas comment c'est arrivé comme ça, et c'est vraiment par flemme en fait, parce que une fois vous posez quelque chose, puis une deuxième chose, puis une troisième chose, et puis après ça s'accumule et vous vous dites bon bah au point où j'en suis je vais remettre dessus et puis je nettoierai un bon coup, et puis ça reste comme ça 1 à 2 semaines et vous vous dites non 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 là ça va plus. Bref, du coup j'ai déposé ma cheminée sur ce côté, donc ça va être pour mettre la télé, pour l'avoir en face de nous. C'est un contour de cheminée avec des rangements dedans qui vient de chez Aldi il y a 2 ans, mais ils l'ont ressorti cette année. Et d'ailleurs, Jiffy a fait exactement la même, je pense que c'est même le même constructeur. Après, je vous la conseille pas forcément pour mettre dans votre salon sur une grosse télé parce que ça tient pas top. Enfin, on voit que c'est pas de la super qualité. Il me semble que je l'ai payé 40 €, donc voilà, c'est pas quelque chose de miraculeux. Mais voilà, pour une entrée ou pour mettre une petite télé dans la chambre, c'est plutôt pas mal. En dessous du coup on avait mis des scotch quand on a déménagé et ça a fait des grosses traces, donc j'attends impatiemment que Action réouvre parce qu'ils ont un produit miracle pour enlever les traces de collants comme ça, et d'ailleurs je vous en ferai une vidéo. Et du coup bah, on a posé la télé dessus, j'ai dû l'écarter un peu du mur derrière parce que voilà le pied de la télé était un peu trop large. Et là, je vais m'attaquer au plus compliqué, les habits. Donc le bazar. Comme je vous disais, en fait, cette bassine, il y avait du linge de mon bébé dedans qui était trop petit. Donc je savais pas quoi en faire, je voulais pas mettre ça dans un carton, donc j'avais mis dans cette bassine en attendant. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à poser un autre truc, puis un autre truc, et c'est devenu ce gros bazar. Donc là, c'est plus possible, il fallait que je range. En tout cas, j'ai repris nos anciennes valises. Normalement, j'aime bien les laisser vides pour quand on part en vacances, qu'elles soient directement vides, qu'on les prenne, on les remplisse et qu'on parte. Sauf que du coup, bah, c'est de la place perdue. Donc je me suis dit que j'allais les remplir avec des habits que je mets plus, ou alors des habits vraiment trop petits ou quoi que ce soit. Je vais tout mettre et je trierai par contre par la suite. Donc je vais enlever le tapis que j'avais mis, j'aime pas du tout, je l'avais mis comme ça, mais en fait vu qu'il était bloqué entre le lit et le dressing, bah, je pouvais pas l'enlever, enfin c'était une galère. Donc là, vu que je peux ranger, bah, je vais l'enlever, je le remettrai plus. Je vais passer un petit coup d'aspi parce que forcément il y avait plein de poussière en dessous de la cheminée, et c'est important de le faire toutes les 5 minutes, surtout que là je suis à pieds nus, donc du coup la poussière a tendance à se coller sous les pieds, après vous allez marcher de partout et vous allez en remettre de partout. D'ailleurs, il y en a beaucoup que ça stresse que je sois pieds nus, on me dit oui mais t'as pas froid sur le carrelage. Après, faut savoir qu'on a un sol chauffé, donc c'est aussi pour ça que je suis toujours pieds nus, c'est pas dérangeant, et j'ai du mal à mettre des chaussons. Voilà, petite anecdote sur moi, j'ai vraiment vraiment du mal à mettre des chaussons. Walid me le répète tout le temps, mais je sais pas, j'arrive pas, et encore plus du fait qu'on a un sol chauffé, bah du coup je suis encore plus pieds nus. Et là je vais trier les habits, donc ce que je fais c'est que je vais tout mettre sur le lit et je vais trier les hauts, les bas et les robes pour pouvoir faire mon rangement plus tard. Yeah.
Et une fois les casiers vidés, forcément je les nettoie et toujours avec la bombe antistatique. Donc ça c'est aussi important de le faire régulièrement, même pas forcément quand vous réaménagez tout. C'est surtout important de le faire parce qu'il y a vos habits, donc faut pas que ça prenne la poussière. Vous allez juste les enlever des casiers, passer un coup de chiffon et c'est réglé. Et voilà ce que ça donne pour tout le bazar mis sur mon lit. Donc voilà, c'est un peu un bazar organisé quand même, hein. Comme je vous ai dit, il y a la partie des t-shirts, la partie des robes et la partie des pantalons. Et je vais faire comme sur le premier casier, je vais tout nettoyer avec la bombe antistatique. Et je finis en nettoyant le mur, les plinthes et la petite prise électrique que j'avais derrière. Ensuite, je vais repasser mes deux caissons et je vais remettre le petit embout qu'il y avait du coup pour mettre la tringle. Donc je vais pas mettre la tringle initiale parce que je la trouve pas et dans tous les cas elle était vraiment trop petite. Je vais mettre une tringle à rideau, donc par contre ce sera provisoire jusqu'à ce que les magasins réouvrent et que je puisse en prendre une bien. Parce que du coup elle était vraiment pas assez rigide et quand j'ai mis toutes mes robes dessus ça s'est un peu affaissé, vous allez le voir quand je vais les mettre. Et du coup j'ai dû mettre système D, une barre au milieu pour que ça tienne la barre qui tient les robes. Enfin bref, n'importe quoi, le carnage total. Du coup, j'irai racheter une autre barre. Et là, j'ai mis des cendres que j'ai achetées chez Leclerc, qui sont vraiment pas chers du tout. Il me semble qu'ils sont à 2 € le lot de 8. Et ils sont en velours, du coup ça fait qu'il n'y a rien qui glisse dessus. Et surtout l'embout en fait crochet bouge. Ça c'est super important quand vous choisissez des cintres d'avoir un crochet qui bouge. Parce que ça arrive à tout le monde de mettre son truc à l'envers. Et après on se dit oh mince faut l'enlever et le remettre. Bref du coup ces cintres sont vraiment bien. J'ai acheté un grand lot parce que voilà j'aime bien que tous les cintres soient assortis. Au final j'en aurais pas eu assez. J'ai dû en rajouter des blancs mais ça va c'est pas trop choquant. Et du coup ce que je fais dans un premier temps c'est que je mets toutes mes robes dessus. Et je les pose et je trierai ensuite par couleur, je le fais pas de suite parce que sinon c'est trop long. Le mieux c'est de tout mettre d'un coup et une fois que vous avez tout fait, à ce moment là vous pouvez prendre chaque cintre et tout ranger par couleur. Ensuite, dans les casiers de droite, je vais mettre tous mes pantalons. Donc au tout début, j'ai rangé comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas joli, que c'était vraiment mieux que je range par catégorie, mais aussi par couleur. Donc c'est ce que j'ai fait.
Et ensuite, j'ai pas filmé, mais j'ai fait de même pour les t-shirts dans les casiers de gauche, je vous montrerai juste après. Et du coup, une fois que tout était rangé, Noé m'a aidé à soulever le sommier et je vais remettre tout ce que j'avais ben, en dessous du lit forcément. Et comme je vous disais, je ferai dans une autre vidéo où ce sera bien rangé dans des compartiments. Là, c'est pas possible vu que tous les magasins sont fermés. Amazon, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression qu'ils ont augmenté leur prix ben, parce que c'est les seuls qui livrent. Donc du coup, ben, j'ai pas envie qu'ils m'arnaquent. Donc du coup, ben, j'attendrai que les magasins réouvrent. Et j'ai fait ça bah, à l'ancienne, hein, dans des sacs cabas et tout. C'est vraiment pas joli, mais je vous promets que je vous ferai la vidéo pour bien organiser ces dessous de lit. Et j'ai déposé une couette sur le tout pour éviter que ça prenne la poussière. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous faites un bon rangement avec des compartiments exprès. Mais là, vu que c'était des sacs cabas qui sont ouverts, après ça a tendance à trop prendre la poussière. Donc j'ai déposé la couette comme ça. Ensuite, j'ai rajouté mes matelas et j'ai fait mon lit. Donc, j'ai passé un petit coup de fer à repasser. Vous savez que j'aime pas repasser, mais là, c'était pas possible. Ma housse de couette était trop, mais alors vraiment trop froissée. C'était pas joli. Donc, du coup, j'ai passé un coup de fer à repasser et pareil sur les coussins. D'ailleurs, souvent on me demande comment je fais pour avoir des coussins où je peux faire les deux pointes comme ça. C'est tout simple, il va falloir que vous preniez des coussins avec des plumes d'oie, c'est super important. Et comme ça, vous avez juste à passer votre main et ça vous fera les deux petites pointes. Du coup voilà ce que ça donne pour mon dressing, je vais vous montrer un peu comment je l'ai organisé. Finalement il n'y a pas assez de place et depuis le début dans tous les cas je voulais des dressings IKEA, les packs, il me semble que c'est pour la gamme. Donc celui-là c'est juste en attendant, il vient de chez Weldom. À la base quand vous achetez vous avez juste une colonne avec une tringle. Du coup on en avait acheté deux et les tringles je ne sais plus du tout où elles sont. Mais elles sont toutes petites, il me semble qu'elles sont la moitié comme ça. Donc du coup ils sont vraiment pas chers et ça s'adapte quand même assez bien, vous pouvez les modeler comme vous voulez, c'est pas cher, c'est quand même assez robuste parce que maintenant ça va faire 3 ans et demi, presque 4 ans qu'on les a, donc voilà, ils sont quand même pas mal. Mais il n'y a pas assez de rangement et surtout bah, c'est que du rangement comme ça et moi j'aime pas trop, je préfère soit avec les tiroirs, soit en mode penderie. Bref, du coup, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Bon, désolée pour la luminosité, ici je vais être toute blanche, c'est parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais au moins vous allez bien voir, parce que si je ferme le volet, vous n'allez plus rien voir, donc désolée. Donc je disais, ici ça va être mes sweats avec les pulls. Ici ça va être tout ce qui est pull noir. Ici, pull gris et ça monte jusqu'au blanc. Ici j'ai mis mes pyjamas, donc dans des petits casiers je préfère, c'est pour ça que je vous dis que je préfère largement les tiroirs avec les commodes parce que sinon pour les pyjamas c'est trop mou et tout, ça a tendance à glisser, donc pour les ranger comme ça c'est pas pratique. Ici j'ai mis mes sous-vêtements, donc ça rejoint encore une fois, je préfère largement dans les tiroirs mais bon voilà ça fera l'affaire.
Donc ici j'ai mis toutes mes robes, il y a juste là où j'ai un tailleur pantalon parce que voilà c'est un tailleur pantalon, il faut bien le stocker sinon ça se froisse de partout, donc je l'ai mis là. Là j'ai mis plutôt les robes d'été, donc tout ce qui est jaune, ensuite ça passe au rouge, j'ai juste une robe habillée, donc celle que j'avais pour ma vidéo de Noël. Là voilà, après ça passe au kaki, au marron, beige, là j'ai mis le violet parce que je savais pas trop où le mettre, une bleu foncé et ensuite ça part dans les noirs, donc voilà. J'ai beaucoup de robes noires, donc là il y a autant de la robe d'été que de la robe habillée. Et ensuite j'ai mis du coup celles qui sont à motifs rayés, enfin noir et une autre couleur, en l'occurrence là c'est blanc. Là mes robes blanches et comme je vous disais mon tailleur pantalon. Et ensuite ici du coup j'ai mis des hauts qui sont dans les tons kaki et ensuite ça monte, il y en a un rouille et l'autre orange parce qu'en fait ici j'avais plus du tout de place donc je les ai mis là. Mais à la base ici du coup c'est plus la colonne des pantalons. Donc là voilà vous avez tous les pantalons jeans noirs, tous les pantalons couleur sombre. Donc là les jeans avec un blanc, un qui est un peu bleu clair et voilà après c'est les jeans. Et là deux pantalons de couleur, donc c'est les seuls que je mets jamais d'ailleurs mais voilà je les ai stockés ici. Et là ça va être tous les leggings et les bas de survêtements, donc noir, couleur foncée, ça j'en ai énormément vous le savez, j'aime beaucoup en mettre. Voilà pour mon dressing, j'espère que ça vous aura plu parce que ça c'est une vidéo qu'on me demande depuis longtemps et en fait je la faisais pas parce que vous avez vu que c'était le bazar avant, que j'avais pas les dressings que je voulais et je pensais ne pas avoir assez de vêtements parce qu'en fait je mettais tout sous le lit, j'avais dans les armoires des enfants, dans l'armoire d'Walid, donc du coup je me disais mais j'ai pas assez de vêtements pour faire un rangement dressing et là je me suis dit bon vu que je le fais pour nettoyer la chambre, la réagencer, je vais être obligée de ranger ce fameux dressing parce que c'était le bazar, même moi je m'y retrouvais plus. Et au fil du temps, à mettre les trucs sur les cintres et tout à plier, je me suis dit ah mais j'ai quand même pas mal de vêtements. Donc après il y a beaucoup de pantalons ici qui ne me vont plus, c'était les pantalons que j'avais avant la grossesse de Maggie, donc voilà ça me va plus, mais je les garde parce que je compte maigrir, donc du coup j'espère un jour pouvoir rentrer dedans. Il y en a d'autres où je rentre mais je suis pas trop à l'aise, donc voilà c'est pareil, je me dis quand j'aurai perdu encore 5 kilos je pense que je rentrerai dedans. Donc voilà, je persévère. Là, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à nettoyer, même à réagencer vos appartements, vos maisons. Parce que dans mon ancienne vidéo, donc gros ménage du salon, vous avez été beaucoup à me dire que vous aussi, vous adorez changer les meubles. Vous avez l'impression d'avoir changé de maison, d'appartement et tout. Moi aussi, j'adore. Donc voilà, j'espère que je vous aurai motivé. Surtout pour le dressing, vous aussi, faites le changement, nettoyez tout, repliez tout. Surtout si vous avez ce genre de dressing, ça part en live direct, quoi. C'est joli aujourd'hui, demain, peut-être après-demain, mais à force de remettre les habits, de les enlever et tout, c'est le bazar total. Donc du coup, si jamais vous avez ce genre de dressing, motivez-vous à tout remettre en ordre. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner comme d'habitude. Bisous !